Hello la chat fame, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale baby. Donc ce sera un baby haul, vous me l'avez demandé, vous avez été plusieurs à me le demander sur Snapchat. Donc je m'exécute. Alors il y a pas mal de petites choses que je voulais vous montrer, voilà, si ça peut vous donner des idées. Et je voulais aussi vous parler de deux produits. Donc les deux premiers produits que j'ai reçus de la marque Uriage, ce sont ces deux là. Donc c'est un combo. Le premier, c'est le premier liniment au lait thermal qui nettoie, protège et qui est sans rinçage, qui va venir en fait nettoyer le siège de bébé. Et en complément, on a reçu aussi une eau thermale, voilà, qui va venir en fait, si vous voulez, faire le travail de finition. Hydrate, apaise, protège. Par contre, celle-ci, vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps, sur le siège, voilà, un peu partout, sur les mains pour nettoyer, etc. Donc voilà, j'attendais de vous les présenter pour les utiliser. Moi, j'avais déjà testé il y a très longtemps le liniment de chez Mustela, voilà, mais maintenant il est un peu périmé. Voilà, mais bon, vous avez été plusieurs à me conseiller le liniment, donc je vous remercie. Et vous me l'avez conseillé par rapport à ma vidéo que j'avais faite sur les couches toxiques. Je voulais vous parler d'un produit révolutionnaire qui a révolutionné et mon quotidien et celui du petit aussi, de bébé Amine. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé vite fait dans un vlog, me semble-t-il, et sur Snap, je suis plus très sûre, enfin bref. Donc, je voulais vous parler de ce biberon-là. Donc oui, c'est vraiment un biberon, c'est de la marque Bibéo. Voilà, donc vous pourrez le retrouver sur le site www.begonia-paris-du6.com. Voilà, donc ce sont les biberons et prix de liberté. Alors, ce biberon-là, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit, ok, il paye pas de mine comme ça. Donc je l'ai reçu en rose, mais aussi en vert. Peu importe, moi j'ai reçu les deux et je les utilise tous les deux. Voilà, il est génial. Franchement, j'ai carrément jeté tous mes autres biberons. Voilà, donc il ne possède que des points positifs. Je vais vous les énoncer de suite. Voilà, donc déjà, premièrement, il est super léger. Vous pouvez l'emporter partout avec vous en voyage, lorsque vous sortez, etc. Vous le prenez, vous mettez juste votre dose de poudre. Donc là, voilà, vous mettez votre dose de poudre. Et ensuite, lorsque vous voulez le préparer, il suffit juste d'ouvrir en fait il est en forme d'accordéon, d'ouvrir les bagues en fait, de le déplier et vous mettez votre eau, hein. Vous pouvez aussi mettre votre jus, etc., etc. Le petit aussi arrive super bien à le tenir, voilà, avec l'accordéon. Voilà, il est facilement lavable, vous pouvez le réchauffer, le mettre à réchauffer au micro-ondes, dans une casserole. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Alors je vais vous montrer ça, c'est la taille, je dirais, normal. Et en fait, et pour l'ouvrir, il suffit de tirer comme ça et de le déplier. Voilà. Hop. Voilà, donc, et vous arrivez jusqu'à 330 ml, c'est vraiment le top. Voilà, donc comme je vous ai dit, facilement, voilà, vous pouvez le plier, il est facile, le bébé le tient très facilement, il n'y a aucun risque qu'il le fasse tomber. Voilà, ensuite vous avez la petite tétine comme ça, le bouchon qui est super parce que même si vous avez du liquide à l'intérieur, vous le mettez à l'envers, il n'y a aucun risque de fuite. Voilà, ensuite il est fait qu'à base de, il est pratiquement fait qu'à base de matériaux végétal. Voilà, vous n'avez pas de BPA, il y a 0% BPA, la tétine est en silicone. Voilà, franchement, il est, comme je vous ai dit, facilement lavable, facilement transportable. Il est, franchement, il est super, super vraiment. Voilà, et le plus que moi je trouve vraiment génial, si vous avez des enfants qui ont tendance à faire des coliques, vous n'avez plus ce souci-là avec ce biberon parce qu'il n'y a plus d'absorption en fait d'air. Voilà, il suffit de mettre, moi je sais que mon fils, il boit en général du 270. Il suffit de remplir en fait votre niveau, votre biberon au niveau de lait souhaité. Et ensuite, vous, tout simplement, vous repliez la bague jusqu'au niveau en fait, au niveau de lait souhaité. Par contre, lorsque vous le repliez, ouvrez-le, hein, voilà. Donc voilà, franchement super, j'ai vu les prix, ils sont vraiment pas chers, franchement ils sont vraiment pas chers du tout. Donc voilà, vous avez aussi d'un côté les mesurettes, de l'autre côté vous avez donc les millilitres. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est une superbe découverte, donc allez voir, ça change vraiment la vie. On va commencer de suite par les chaussures. Je lui ai pris deux paires de chaussures, enfin son papa lui a pris une paire et moi une paire. Donc la première paire c'est celle-ci.
Ce sont des paires de New Balance trop belles. Donc quand son père les a rapportées, je suis tombée amoureuse. Elles sont superbes et j'ai l'impression qu'on aime tous le bleu dans la famille. Donc voilà, elles sont superbes en bleu et vert comme ça avec un petit empiècement effet cuir camel. Voilà, je me semble-t-il que c'est du 26 ou du 25, du 25 normalement. Du 26, voilà, du 26 en fait ça dépend des chaussures, comme bébé a les pieds boudinés, il lui faut quand même des chaussures, une belle pointure, voilà. Mais sinon chez Adidas, ils chaussent du 25, faites attention, les Adidas ça chausse quand même assez grand. Voilà, donc je vous avais partagé le bon plan, ces Adidas étaient dans ce coloris là, mais aussi en coloris fuchsia pour les filles. Et elle coûtait à peine 12 euros, ouais, 10, 13 euros, allez, elle coûtait que 13 euros. Et franchement, c'était vraiment le bon plan du moment. Parce que des Adidas à ce prix-là, voilà quoi. Moi, en général, je les paye 30 euros. Et elles sont vraiment super confortables, super jolies. Voilà, vous pouvez lui les mettre ben, pour aller marcher, etc. Enfin, moi, je lui les mets tout le temps, il les adore. J'ai passé une commande chez Zara et j'ai fait le plein de t-shirts, en fait. Parce que l'été se profile, voilà, et ils étaient, me semble-t-il, à 3 euros. Oui, je crois qu'ils étaient qu'à 3 euros ou 3,90 euros. Voilà, donc premièrement, je lui ai pris celui-ci. Donc, j'ai pris tout en 4 ans. Ouais, 104 cm parce que mon fils fait 98 cm. Voilà, il est entre deux tailles, entre le 3-4 ans. Donc, je préfère lui prendre 4 ans, qu'il puisse être à l'aise et même le mettre, pourquoi pas, l'année prochaine. Donc, je lui ai pris celui-ci en gris, comme ça. Donc, vous n'avez pas de relief. Hop, ensuite, je lui ai pris un blanc, comme ça. Hop. Un petit noir avec le serpent. Franchement, c'est pas... je l'aime pas trop celui-là. Tout simplement parce que j'ai la phobie des serpents. Mais bon, voilà quoi. C'est pour lui, c'est pas pour moi. Ensuite, je lui ai pris celui-ci. Il est trop beau. Il fait un peu matière coton, mais très, très aérienne, très légère. Voilà, et mauve comme ça. J'espère que ça ne déteint pas. On verra, on fera le test. Ensuite, je lui ai pris un petit blanc cassé comme ça. Je l'aime bien celui-ci aussi. Les petits t-shirts à message, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi celui-ci, le petit gris comme ça. Ouais, il y a un petit smiley, enfin bref. Hop. Donc voilà pour les petits t-shirts que je lui ai pris de chez Zara toujours. Mais c'est un cadeau de son tonton et de sa tata. Voilà, donc il a eu ce joli petit... petit pull, mais je peux pas lui mettre de suite parce que voilà, il est pas assez chaud. Je pense qu'il faut vraiment que j'attende le mois de mai, juin. Voilà, donc c'est une taille 104 toujours, voilà. 4 ans. Il est superbe. Ça fait un peu effet, effet molleton comme ça, j'aime beaucoup. Et avec ça, donc, il y avait ce jean qui est magnifique. Il est trop trop beau, vraiment. Très joli, j'aime vraiment beaucoup les détails. Donc, voilà, il est légèrement délavé. Il lui va un petit peu grand. Voilà, mais heureusement qu'on a les petites ceinturettes en élastique à l'intérieur, mais il est très très joli, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, avec les chaussures Adidas, je lui ai aussi pris un survêt qui était me semble-t-il, à 24 euros et que j'ai dû payer une quinzaine d'euros. Voilà, vu qu'il était à moins de 30%, voilà, c'est celui-ci. J'ai pris en taille 3-4 ans et sa taille grand, même au niveau en fait, au niveau des vêtements. Et vous avez le bas de survêt qui va avec. Donc voilà, c'est pas pour de suite, je pense que je lui mettrai plutôt en automne et hiver prochain. Ensuite, il y avait des promos chez IKKS en boutique ici à Bastia et je lui ai pris ces deux pièces-là. Donc le premier, c'est un polo. Donc il va être superbe dedans parce que son papa adore les polos, hein. Les polos de chez IKKS. Voilà, donc un petit look père-fils, ce serait super, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que pour cet été, ce sera super. Par contre, c'est du 4 ans, mais ça taille hyper grand aussi chez IKKS. Ouais, c'est ça, c'est du 4 ans. À la base, il faisait 65 euros et je crois que je l'ai payé 27 ou 29 euros. Là, vous avez des petits détails comme ça en graines de café. Au niveau de la poche aussi, enfin bref. Vous retrouvez la petite plaque ici et le petit bouton IKKS juste ici. J'aime beaucoup le col également. Donc voilà, franchement, IKKS pour les enfants, j'adore. Et enfin, je lui avais pris ce pull, mais qui lui va un petit peu grand pour l'automne et l'hiver prochain. Ce sera super. Donc voilà, un très très joli pull comme ça, gris. Vous avez des petits empiècements comme ça, bordeaux. Et ici, un petit empiècement drapeau anglais. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, il tient assez chaud. Et celui-ci, je l'ai pris en taille 4 ans également. Il faisait 69 euros et je crois que je l'ai payé 35 euros. Pour son anniversaire, il a eu pas mal de choses, mais au niveau vêtements, il a eu que ça. Et je voulais vous les montrer. Donc ce sont deux pulls de la marque Timberland.
Alors donc le premier c'est celui-ci, c'est du 4 ans également, mais là chez Timberland c'est du 102 cm. Voilà, ça taille un petit peu plus petit que Zara. Donc c'est celui-ci, il est trop beau, donc vous retrouvez le petit logo ici de la marque. Voilà, et les petites coudières comme ça, c'est pas en relief. J'aime trop. Et enfin celui-ci qui fait plus sportswear. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment un petit pull. Celui-ci par contre je l'ai déjà mis parce qu'il lui va plus ou moins. Mais bon, c'est toujours du 4 ans. Hein. Voilà. Et il est tout simple à l'arrière. On va terminer cette vidéo baby par les vestes. Donc la première veste que je vais prise c'est celle-ci. Donc celle-ci je l'ai eue sur Amazon et je ne me rappelle plus de la boutique. Je crois qu'elle s'appelle Next, un truc comme ça. Ouais c'est ça, I Love Next. Et c'est une boutique anglaise, c'est la next.co.uk. Voilà, et j'ai vraiment craqué sur cette petite veste. Alors j'ai un peu galéré à trouver une belle veste en jean, pas trop foncée, pas trop claire, pas shrapé quoi, voilà quoi, enfin je veux dire pas destroy. Voilà, j'ai trouvé celle-ci vraiment très jolie. Je crois que je l'ai payé 18 ou 24 euros, je ne sais plus, avec les frais d'envoi gratuits. Je l'ai reçu super rapidement. Voilà, vous avez des boutons pression et ça fait un peu un effet bohème. Voilà, un effet fleuri, mais c'est bien pour les garçons, hein. Donc voilà, ensuite je lui ai pris ce petit gilet sans manches. Voilà, ça c'est très bien aussi pour la mi-saison. Il l'adore d'ailleurs, en bleu comme ça. Voilà, celui-ci je l'avais eu sur la Redoute avec un ensemble. En fait, c'était un ensemble, un trio avec un petit pull et un petit pantalon. Toujours chez la Redoute, je lui ai pris ce petit bombers qui est trop beau. Donc bombers avec une petite capuche, un tigre à l'arrière. Hop, et voilà. Donc celle-ci je l'ai prise en taille 3 ans, mais faites attention, selon les articles sur la Redoute, ça taille plus ou moins petit. Et enfin pour terminer, je vous l'avais montré celle-là, mais pff, elle est tellement belle. Elle est de chez Zara et c'est un blouson que j'ai pris en taille 3-4 ans, voilà, qui est magnifique. Ça fait un peu pourtourné, enfin bref. Ici ça fait un peau de mouton, super douce. Mon fils l'adore également. Vous avez des petites poches. Voilà, franchement elle est magnifique. Donc je pense qu'elle est toujours disponible. Je vous mets tous les liens des produits cités en barre d'infos, donc n'hésitez pas à la checker si besoin. On en arrive à la fin de ce haul bébé. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire où vous faites votre shopping pour bébé. Voilà, ça me donnera peut-être des idées. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ma chatte fame, portez-vous bien.